Hurluberlure d'une grand-mère pas très sage. Françoise Coulemain, Séverine Perrier, Motus. Ce qui est fait est fait. Ce qui si on ne peut pas dormir et si on ressemble à la grand-mère pas très sage, pour tenter d'en sortir, on peut, on doit essayer plusieurs des recettes qui suivent. Première des solutions. S'allonger sur le dos. Respirer à fond, faire le gros ventre très chantonner. Ce qui est fait, fait, et fait, fait, ce qui serait, ce sera, ce que je peux, sera. Si ça ne marche pas, allumez toutes les lumières une fois, partout, dans toutes les pièces. Se recoucher en s'imaginant algues bleues ou terrible eaux. Les danseurs et les fous ramassaient des herbes. Les danseurs fous des herbes. Si c'est insuffisant, passez à l'expérience suivante. Chipez la couette du lit des parents, ou du lit de sa sœur, ou de son frère, ou de n'importe quel lit chaud. S'enrouler dedans en murmurant. Les danseurs et les fous ont ramassé. Si c'est encore inefficace, prendre des nouvelles de tous ces amis. Ça va et toi? Ça va. Apprendre à faire les pieds au mur en faisant faire vibrer chaque surface bien sonore. Vitre, vaisselle, valise, vagabond, vidu, virus.